Et bonsoir tout le monde, bienvenue. L'intro a foiré complet, c'est pas grave, on s'en fout. Et on est parti pour du FIFA. Bonsoir Valentin. Bonsoir Angel. J'allais te notifier, Angel, que sur ton live on a un écran noir, ouais, plus de musique, ouais. Plus rien. Ouais. Excuse-moi, hein, je savais pas si t'étais au. J'ai foiré mon intro. Mais mais voilà, normalement il y a l'image, il y a le son, il y a tout ce qui va bien là. Pardon, excuse-moi. Si tu peux nous mettre aussi Angel, tu sais, comme d'habitude, le partage sur. Ouais, tu me dis là, si normalement sur Twitch ça doit être bon. Hein. Attends, je vais réactualiser sur Twitch. C'est peut-être juste une question de réactualiser. Hein. Peut-être. Salut Théo. Oui, c'est moi. Oui, toi. Oui, c'est moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ouais, mais... Je dérange ? Je peux repartir, hein, pas si du tout. Non, en fait, il y a eu un couac à l'intro, j'ai merdé mon truc, et Valentin me disait qu'il n'y avait pas d'image et pas de son sur Twitch. C'est bon, Angel, on a une image maintenant. Ah bon ? Non, oui, en tout cas, moi, j'ai... Ah ouais, il y a tout. Maintenant, j'ai une image devant les yeux, donc c'est bon. Donc, on continue notre carrière solo, Angel. Oui. Donc, avec Grenoble, dis donc, tu renifles beaucoup toi ce soir, qu'est-ce que tu fais? Tu respires l'odeur de la chance? J'en sais rien, non, j'ai une odeur de peinture dans le nez, ça me saoule un peu. Oups. Alors, on va continuer notre mode carrière avec le Grenoble Foot 38, vous le savez, objectif ramener déjà le club en Ligue 1, et pourquoi pas tenter également, en plus de le ramener en Ligue 1, peut-être un jour le faire jouer en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. On s'en contentera. Angel, est-ce qu'on peut juste regarder pour dire un petit peu à nos viewers un petit peu les résultats qu'on a fait dernièrement? Alors, comment ça se passe? Ma saison? On va dans saison et dans calendrier. Voilà.
et le classement leur montrera après. Donc, vous voyez qu'on a joué. Tu peux remonter, Angel, t'inquiète pas. Alors là, c'est septembre. Vous voyez, on est au mois de septembre. Donc, on a fait contre Ajaccio une victoire 4-2 au mois d'août, sachant qu'on avait démarré par une défaite, un nul 3 partout contre Chambly. Puis, contre Lorient, on avait fait une victoire 5-1. Puis, contre Troyes, on a fait une victoire 3-2. Puis, contre Le Havre, on a fait 5-0. Et contre Lens, qui était une équipe dominante, et on a gagné 3-0. Donc, pour l'instant, on a 2 clean sheets consécutifs au mois de septembre. On a joué Niort, c'est ça. Si tu peux, voilà. Et on a fait un but partout. On a terminé. En fait, au dernier live, on a joué 4 matchs. Angel, on a fait 3 victoires et 1 match nul. On a pris 10 points sur 12 possibles avec seulement un but pris lors des 3 derniers matchs. Bon bilan. C'est plutôt bien. On va donc affronter donc la Bérige de Châteauroux, Caen. Et puis les autres. Alors, on regardera le classement un petit peu plus tard. Je sais pas, hein, tu me dis, hein, moi je suis aveuglément, hein, je suis comme une poule devant un œuf. On peut regarder le classement en retournant dans saison et puis avec le tableau du classement, on va regarder ça. Donc, au classement, voilà, tu peux cliquer dessus, Angel. Donc, vous le voyez, on est quatrième avant ce match, on a déjà joué 7 matchs de championnat, vous voyez, on a fait 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite. On est la meilleure attaque du championnat, 20 buts marqués en 7 matchs, Angel. C'est-à-dire que tu marques une moyenne de 3 buts à peu près par match. Bon, par contre, en défense, il faudra resserrer les rangs parce qu'on a déjà encaissé 11 buts en 7 rencontres de championnat. Ouais. C'est tout. Ce qui nous fait une différence de but à 9. Ouais. Et donc, on est devant Guingamp à la différence de but. Et donc, devant toi, tu as les Chamonix-Niortais avec lesquels tu as fait match nul la dernière fois. Mmh. Auxerre et Lorient. Voilà. On rappelle en Ligue 2, Angel, que les 2 premières places sont directement qualificatives pour la Ligue 1. La 3e place t'assure de jouer le barrage contre le 18e de Ligue 1. Et si tu termines 4e ou 5e du classement, tu joues un play-off contre le 4e. Ou si t'es 5e, tu joues contre le 4e. Si t'es 4e, tu joues contre le 5e. Voilà. Et après, tu joues un deuxième match contre le 3e de Ligue 1. De la Ligue 2, sachant que quand t'es 3ème de Ligue 2, pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimé, mais t'es pas sûr de jouer contre le 18ème. Faut jouer contre celui qui a gagné en play-off. Voilà. Okay. Donc autant dire que le mieux pour monter en Ligue 1, c'est d'arriver dans les 2 premiers. Très bien. Mais bon, okay. Mais voilà, t'es bien parti. On joue donc maintenant Châteauroux, la Berrichonne, on est à l'extérieur. On est sponsorisé par Carrefour Market, n'est-ce pas? C'est ça. Et les cornichons maille. Si on parle quand même, et après je vais laisser Théo parler parce que j'aurais beaucoup parlé d'un coup, mais si Angel, on fait juste un petit point et qu'on se remet en IRL, Grenoble lundi a fait un match nul en IRL contre Lens, 0-0 à l'extérieur. Donc pas mal. Donc l'équipe, je crois, doit être dans le ventre mou de la Ligue 2, si je suis un petit peu. Et elle va jouer demain contre Niort à domicile. Voilà, Grenoble est actuellement 10e IRL avec 32 points en 24 journées de championnat. Avec 23 buts inscrits et 22 encaissés, Angel. Donc tu vois, t'as marqué dans ta saison FIFA, t'as marqué presque autant de buts que Grenoble en 24 journées, IRL. Eh ben c'est bien. Voilà, Théo, à toi. Alors bonsoir, nous sommes sur le live d'Angel 038 et ce n'est pas comme... J'ai cru qu'on était sur une émission culinaire. Et comme 138, on ne joue pas à chercherangel.fr, c'est un petit peu plus. Donc... j'aimerais parler avec Valentin et même Angel, toi qui connais pas trop de foot, en foot, tu peux participer si tu veux. Hein, bien sûr. Oui, je vais essayer, mais je vous promets rien. Et t'as le droit de nous poser, et t'as le droit de nous poser des questions aussi, Angel, hein, si tu connais pas. Hein, t'as le droit. J'aimerais poser, lever le cas épineux, ouvrir un dossier sur le cas Dembélé. Alors bon. attention, on parle pas de n'importe quel Dembélé parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez Moussa Dembélé, l'attaquant de Lyon. Nous, on va parler d'un autre Dembélé. On va parler de Ousmane Dembélé, l'attaquant du Football Club de Barcelone. Voilà. Donc, Valentin, est-ce que tu as pu récupérer quelques infos?
Oui, j'ai récupéré une petite bio très rapide en compilant des infos que j'ai trouvées et sur Wiki et au par ailleurs. Donc je peux vous présenter un petit peu le joueur. Donc Ousmane Dembélé, il a 22 ans. Il est né le 15 mai 1997 à Vernon, dans l'Eure. Il occupe le poste de milieu offensif ou plutôt d'ailier. Il est ambidextre, c'est-à-dire qu'il sait aussi bien tirer du pied gauche que du pied droit. Voilà, il n'a pas de mauvais pied, si on peut le dire comme ça. Enfin, ses pieds, en ce moment, il se ferait bien de se faire greffer des jambes. Mais bon, ça, on y reviendra après. On y reviendra. Alors, il a commencé, évidemment, comme il vient de Vernon dans l'Eure, il a commencé, évidemment, sa carrière footballistique en junior dans l'Eure, en intégrant dès 2004 le club d'Évreux jusqu'en 2010. Puis, il a été repéré par le Stade Rennais qui l'a fait percer de 2010 à 2015 dans l'équipe B. Et dès la saison 2015-2016 en Ligue 1. Il a fait une saison avec le Stade Rennais. Il avait 3 saisons de contrat en 2015. Il devait aller jusqu'en 2018. Il a fait une saison avec Rennes. Il a joué 29 matchs et marqué 12 buts à Rennes. Puis il est parti une saison au Borussia Dortmund en Allemagne. Ce que tu veux dire, c'est qu'il a cassé son contrat. Pour pouvoir partir, il a cassé son contrat. C'est ce que j'ai dit, je l'ai précisé, il avait 3 ans de contrat, il est parti au bout d'1 an. D'accord. Voilà. Ensuite, au Borussia Dortmund, il a joué une saison, alors qu'il s'était engagé, je crois, 5 saisons, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Voilà, il s'était engagé 5 saisons, donc jusqu'en 2021. Il a joué 50 matchs et marqué 10 buts, sauf que là encore, il a cassé son contrat pour aller au Football Club de Barcelone. Et là, je crois qu'au Football Club de Barcelone, il a signé jusqu'en 2022. Donc il a signé 5 saisons également. Mais et il a été transféré pour 105 millions d'euros. Il est plus cher que Pogba quand même en transfert. Et 50 millions de bonus. Et normalement, il était censé remplacer Neymar. Oui, alors... Angel, pour te faire la chronologie du truc, quand Neymar est parti à Paris pour 222 millions, Barcelone a décidé d'acheter Dembélé pour remplacer, parce que Dembélé était beaucoup plus jeune que Neymar. Il voulait avoir du 109. Voilà, on mise sur un jeune. Mais depuis qu'il est c'est Barcelone, il n'a pas fait une saison complète sans être blessé. C'est ça. En fait, la première saison qu'il a faite, en fait, il a démarré et il s'est blessé lors de la 4e journée de la Liga de la saison 2017-2018 contre Retafe. Il s'est blessé gravement en faisant une talonnade et il a été victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral à la cuisse gauche. Donc en gros, il s'est déchiré la cuisse gauche, si on peut le dire ainsi. Mmh. Et il a été indisponible combien de temps? Il a été indisponible entre 3 mois et demi et 4 mois à peu près. Et il a été opéré en Finlande, comme actuellement. Il est parti en Finlande se faire opérer. Mmh. Voilà. Et donc, il est revenu le 4 janvier 2018 lors des 8e de finale de la Coupe du Roi en match aller contre le Celta Vigo. Voilà, il a inscrit son premier but sous le maillot du Barça en 8e de finale de Ligue des Champions la même année contre Chelsea. Et il a inscrit son premier but en Liga contre le Celta Vigo le 17 avril 2018. Voilà. Ensuite, donc, il est parti à la Coupe du Monde. Ousmane Dembélé, il a fait la Coupe du Monde, on sait très bien. Il a joué le premier match, mais il n'a pas convaincu. Après, il est parti sur le banc. Et pendant ce temps, Angel, au but, bien joué Angel. C'est le but. Superbe but, Florian Raspantino, le numéro 11. Bien joué. Ça faisait quelques minutes là que ça commençait à mettre la pression du côté de l'équipe adverse. C'est Châteauroux l'équipe adverse, Angel. Tout à fait, oui, non mais. Voilà. Je sais pas, pour la blague, je sais pas si leur château est roux. Non, on n'a pas vérifié, mais en tout cas, si c'était le cas, ils s'en tiraient de loin. Ouais, ils sont-ils roux aussi, ça? Les pauvres. S'il y a des roux dans l'auditoire, excusez-nous. On en connaît un roux. Hein.
Oui, on en connaît un, nous. Bah, Fox. Ah oui, c'est Fox, il est où? Auré Fox. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Fox, Marc, tu me diras. Comme on dit par chez moi, un faillot de paille de plus et il aurait fini cargo. Donc on est à la 33e, Angel, et tu viens de signer ton 21e but en 8 matchs de championnat, Angel. Bravo. Yeah. Pour un mec qui débute sur FIFA, c'est quand même bien. Ouais, oui. Effectivement. Dit-il avec enthousiasme. Donc, il a joué la Coupe du Monde en 2018, Ousmane Dembélé, pour en revenir sur lui. Oui. Donc on connaît la Coupe du Monde qu'il a fait, hein. Il a été titulaire au premier match contre l'Australie, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Il est sorti par Didier Deschamps de l'équipe de départ jusqu'au match du Danemark où on a fait tourner avec ce piteux 0-0 qui, je le rappelle, restera le seul 0-0 de cette compétition. Voilà. Ah bah, c'est bien français ça, 0-0, c'est bien français, hein. C'est ça. Après, il n'est pas du tout rentré. Donc, il a été champion du monde en ayant joué seulement. Peut-être, il a joué combien? Il a joué 150 minutes. Pas plus, ouais. Quoi. Il a joué deux fois 75 minutes, quoi. C'est bien pour être champion du monde. C'est assez. Et donc, quand il est revenu au FC Barcelone, d'après la Coupe du Monde, il a démarré en fanfare en remportant la Coupe d'Espagne avec le Football Club de Barcelone contre Séville, 2-1. C'est lui qui signe les deux buts du Barça. Et c'est presque une saison complète, mais souvent sur le banc. En fait, il a joué 37 matchs en tout cette saison-là, il a totalisé 11 buts et il a fini une deuxième fois champion d'Espagne avec le Football Club de Barcelone. Mais le problème d'Ousmane Dembélé, c'est qu'apparemment au Barça, et je disais ça à un moment donné, en fait, on raille son hygiène de vie. On dit qu'il n'a pas une hygiène de vie et qu'elle serait irréprochable et qu'elle serait responsable de ses nombreuses blessures parce que il a manqué Vas-y, Théo. Le truc, c'est que retrouve un article quand il est parti d'Allemagne. Il y a une rumeur qui dit qu'il avait loué une maison parce que, tu sais, Angel, ces joueurs-là, ils n'achètent pas des maisons, ils louent. Oui, oui, ils sont un peu itinérants. Il a fallu 4 camombiennes pour la nettoyer, la maison. Tu vois ? Ah ouais ? Il a fallu 4 camombiennes. Il faut que je te retrouve l'article. Il y a eu 4 camombiennes qui sont venus tellement la maison, elle était crade. Putain, c'est fou, Angel, ça. C'est la mi-temps. Comment tu sens ton équipe de Grenoble, Angel, avant qu'on continue à déplier Ousmane Dembélé? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Au début, c'était un peu compliqué parce que je savais pas trop. Enfin, je reprenne mes marques. Et puis, on va dire que les deux équipes étaient encore en forme. Il n'y a pas de fatigue qui se faisait sentir. Et puis, au fur et à mesure du match, j'ai pu commencer un peu à prendre du terrain de leur côté. Et puis. Ouais. Angel, même si tu gagnes que 1-0, on s'en contentera, hein, d'accord? Oui, non, mais bien sûr. Le tout, c'est de prendre des points. Voilà. Donc, on continue donc avec Ousmane Dembélé. Donc, je disais, il est régulièrement raillé pour son hygiène de vie qui serait responsable de ses nombreuses blessures. Parce que sachez que depuis qu'il est arrivé à Barcelone, il a manqué en tout et pour tout, avant cette nouvelle blessure maintenant, 46 matchs avec son club depuis août 2017. D'accord? Lors du premier match de la saison 2019-2020, cette saison contre l'Athletic Bilbao, après un été où on a même évoqué son arrivée au PSG, vous savez, c'était le fameux feuilleton Neymar en échange de 3 joueurs barcelonais pour faire revenir Neymar, il s'est blessé encore une fois et il a manqué 5 matchs de compétition encore en début de saison. Et il marque finalement son premier but le 6 octobre contre Séville avant de prendre un carton rouge en fin de match. Et depuis, je crois qu'il a plus beaucoup joué puisque cette saison, il a totalisé 5 apparitions en Liga pour un seul but et aucune passe décisive. Voilà. Bah, ça fait Angel, ça fait plaisir pour un joueur à acheter 105 millions de 500 c'est somme d'argent que ça représente. Eh bien, Angel, t'as marqué le deuxième but. On n'a pas vu, mais bravo, deuxième but, Angel. C'était, bravo. Bah, en fait, à la relance, hein, ils ont perdu la balle bêtement, et du coup, j'en ai profité. Et t'en as profité, t'as été tueur devant le but, c'est très bien. 105 voilà. Millions pour un joueur qui ne joue pas. Ça fait cher la. Non, mais ça c'est abusé. Ça fait cher le cirage de banc. Hein.
Bah, faut vous dire que c'est même pas le cirage de banc là, c'est qu'il est blessé. Il en a pour 6 mois, c'est-à-dire qu'il va automatiquement louper le prochain Euro avec l'équipe de France. Ça, c'est sûr. Puisque le prochain Euro débute, je crois, le 12 juin. Et il s'est blessé il y a à peu près 2 semaines, je crois. Donc, ouais, ça fait 13 février, ça fera trop juste. Ça fera 13 juillet. Il sera remis à peine après la finale, vous voyez. Et je vous rappelle aussi que cette année à Tokyo, on joue les Jeux Olympiques, hein, en foot. Oui. Ah oui, c'est vrai. Que Mbappé voudrait participer. Enfin, le Gred souhaiterait qu'Mbappé participe. Maintenant, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain le laisse participer. Donc on va développer un peu, Valentin. D'après toi, Dembélé, joueur fini ou juste accro dans sa carrière? Bah, j'hésite sur cette question parce que, comme je vous l'ai dit, il est encore jeune. Hein, il est né en 97, il a 22 ans. Mais moi, tu sais, j'ai peur que ça... Non, mais j'ai surtout peur que ça fasse un peu, tu sais, comme Atem Ben Arfa. Parce qu'Atem Ben Arfa, lui aussi, il a été beaucoup blessé et il a eu du mal à revenir dans le rythme. Là, par exemple, il a été transféré à Valladolid cet hiver. Mais le coach de Valladolid l'a très bien dit en conférence de presse d'après-match, quand Atem Ben Arfa rentre en jeu, il faudra beaucoup de temps pour... Oui, bah ça fait penser aussi à Johan Gourcuff. Gourcuff aussi, pareil, c'est des éternels blessés qui n'ont jamais réussi à s'imposer. Et Ousmane Dembélé. Et plus vieux aussi, je sais pas si tu te souviens de Bobo Vieri. Christian Vieri. Ah. Non, ça je m'en souviens pas. J'étais trop jeune, moi. Christian Vieri, on l'appelait les muscles en soi. C'est-à-dire que dès qu'il faisait une accélération, ouais, il était blessé un match sur 4, quoi. Ah, Bobo Vieri, Et sachant qu'Ousmane Dembélé cette fois-ci s'est fait l'autre jambe, c'est-à-dire qu'il avait été blessé, je vous l'ai dit, au biceps fémoral à gauche de la cuisse. Il pense à changer de boulot. Hein. Ouais, je pense. Mais ça fait un peu jeune, Angela, 22 ans, changer de boulot. Tu vas me dire, il a qu'à faire danser aux étoiles ou ça. Non, mais le problème, Angela, au niveau de sa blessure, c'est-à-dire que le biceps fémoral, c'est. Quand tu te le pètes, ça fait un gros trou dans ton muscle. Et c'est très très long à se remettre. Hein. Et ça peut repéter facilement, en fait. Okay, je crois que... Qui au Paris Saint-Germain a vu cette blessure du biceps fémoral? C'est pas Neymar. C'est pas Neymar. Neymar, c'est le métatars. C'est le cinquième métatars. Des petits doigts. Oui, voilà. Monsieur est capable de se blesser contre Strasbourg. Oh là, Angel, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Une connerie. Oh putain! Ah bah oui, aïe aïe. Ouf. Eh bah, tu t'es bien rattrapé, hein. Alors, pour moi, si je peux développer, pour moi, sa carrière va être très en dents de scie. C'est pas possible qu'un joueur. Oh, but! Superbe but d'Angel! Incroyable, Angel, la frappe que t'as mis au deuxième poteau est doublée pour Aspantino. Je me suis dit, merde, j'ai foiré mon action. Mais non, elle est dedans. Génial, ça fait 3-0. Quand j'ai pris le poteau, j'ai dit, c'est pas possible. Bon, pardon Théo, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y. Non, mais c'est pas grave, priorité au direct. Il y avait l'action, excuse-nous. Et pour moi, Dembélé, s'il ne fait pas un bon protocole de soins là et revient au top mi-août l'année prochaine, enfin cette année, le Barcelone va chercher à le vendre. Dis-toi quand même qu'il était... Pardon. Dis-toi qu'il était dans la balance, tu sais, quand il y a eu la tentative de transfert de Neymar, tu sais, contre 3 joueurs du Barça pour récupérer Neymar. Et ben, Ousmane Dembélé. Les 3 joueurs du Barça, ça m'a fait rigoler. Les 3 joueurs du Barça, ça m'a fait doucement rigoler. Alors, Angel, pour te remettre un truc, c'était Dembélé, Rakitic et comment s'appelle l'autre qui est parti au Bayern.
Coutinho. Coutinho. Rakitic. Rakitic, il a 33 ans, le bordel. Bon, il est bon, Rakitic, le Croate. Bah, il est très, très bon, j'adore. Il est vice-champion du monde, Rakitic. J'adore Rakitic, mais tu fais pas venir un joueur à Paris à 33 ans. Remarque, je dis ça, mais Beckham, il a bien fini sa carrière à 36 ans à Paris. Bon, ça, c'est autre chose. Et puis Thiago Motta, il avait quel âge quand il est arrivé au PSG? 33, je crois. Bah ouais, tu vois. Donc, ouais, bon, après, mais voilà. C'était pas, mais ça aurait pas, tu vois, ça aurait pas été une bonne affaire pour les Parisiens. Mais voilà, donc, et d'ailleurs, je me souviens très bien de Fernandez qui avait apparemment une conversation avec Dembélé qui disait que lui avait aucunement envie de partir du Barça, il avait aucunement envie d'être dans le deal. Bon, en même temps, s'il avait été dans le deal et qu'il avait été signé, on lui aurait pas demandé son avis, quoi. Mais voilà. Mais le problème, c'est que. Comment elle s'appelle, Dembélé, lui, s'il veut pas partir, Barcelone re-signera pas une prolongation avec lui. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais, mais alors dans ces cas-là, maintenant, où est-ce qu'il va trouver un point de chute? Ah, il y a un remplacement du côté de Grenoble, c'est Semedo qui rentre. Alors là, c'est vraiment une hypothèse. C'était qui son entraîneur à Dortmund? En 2015, c'était pas Tuchel? Ouais, c'était Tuchel. Et il si me semble Tuchel, que c'était Tuchel. Si Tuchel est encore à Paris, tu verras que Dembélé, il arrivera à Paris. Bah, moi, j'en suis pas si sûr parce que je pense que Paris risquera pas d'acheter quelqu'un qui est souvent blessé. Moi, j'y crois pas. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'il vaut plus 105 millions d'euros. C'est clair, n'était précis. Bon, mais c'est la win. Dites-moi, il y a Nuno ce soir ou non? Oui. Ah. C'est pour ça que Jotun n'est pas là. Ouais. Je vais te dire, Angel, on parle de Dembélé, moi je surveille le chat, mais pour te dire à quel point c'est mort, j'ai même pas un commentaire sur le chat. Ah, mais je l'ai sous les yeux aussi. Personne hein. Qui parle. Je l'ai sous les yeux. De toute façon, il y a 3 viewers actuellement au compteur, donc il doit y avoir vous deux et le bot. et toi voilà, non. Bah, normalement, moi, je compte pas, normalement. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Ah, il y en a 4. Des mauvaises langues, Angel. Des mauvaises langues. Ah bah oui, c'est allez, Angel, tu vas répondre à l'interview. Donc, sur alors, Florent Raspantino, avec 2 buts et une victoire. Raspantino était le héros du match. Bah, c'est une bonne performance globale. Bah ouais. C'est une bonne performance globale, tout simplement. Bah, parce que tu peux. Tu m'étonnes. Je trouve que ces barres-là, elles sont cheatées, Théo. Je sais pas ce que t'en penses. Vous êtes invaincu dans cette compétition. Pensez-vous continuer cette belle série? Alors, c'est faux parce que t'as une défaite au compteur. Ah ouais, seulement, j'ai pas de réponse dans ce sens-là, mais. Oui, mais tu mets ne sommes pas invaincus pour raison. Sans raison, ça va monter la fierté. Ah, salut Lulu. Ah, salut Lulu. Voilà, le quatrième, il est là. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi Lulu, je te signale que tu peux venir hein, en vocal si tu veux. Viens avec nous si tu veux, Lulu, parce que franchement, tu vas t'emmerder tout seul sur le chat. Hein. Même si tu connais rien en foot, c'est pas grave. Comme ça, on fera deux. Merci et on t'expliquera, y a pas de souci. Ok, bon. Alors, Angel, on a dit le prochain match, c'est contre le Stade Malherbe de Caen. Ouais. Alors, le Stade Malherbe de Caen, on rappelle que c'est une équipe qui est reléguée de la Ligue 1 de l'an dernier. Donc, c'est pas une équipe à prendre à la légère, d'accord? Et d'accord. Tu viens de remonter en 3e position. Exactement. À 4 points du leader Lorient. Bien joué, Angel. Si tu continues comme ça, tu vas nous prendre la première place dès ce soir. Mais oui, bah nous prenons. Alors, du coup, il y a des choses à faire là en attendant, enfin avant de relancer un match ou non? Non. Alors, attends, Angel, on va regarder l'état de tes joueurs. On va aller dans l'équipe. On va regarder l'état de tes joueurs, s'il te plaît. Bah, ils sont pas au mieux de leur forme. Hein. Alors, attends, dans ce cas-là, non, avance ça, tu vas avancer jusqu'au match suivant. Ouais. Tu vas dans accueil et tu vas avancer. On va regarder. Oh, là, continuer. Voilà. Voilà. D'accord. Normalement, tu vas arriver. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir l'équipe. Ah, ils ont repris un peu d'énergie quand même.
Mais on peut peut-être essayer de changer un petit peu l'effectif pour faire jouer un peu tout le monde. Tu en penses quoi? Ah ouais, moi je. Vas-y. En avant. Théo, t'en penses quoi? T'as fait jouer toutes les recrues que tu avais achetées? Je crois. Bah oui, Viviani est là, Amaya est là, et Alvarez est là également, donc ils sont tous là. D'accord, regarde là où tu... Parce que ça serait bien, enfin, avec... ça serait bien que comme tu vas jouer la coupe, tiens, salut Lulu. Salut Lulu. Comme tu joues salut, la coupe, gars. Vas-y. Dis bonsoir. dis bonsoir Lulu. Salut Lulu. Ça va? Surtout bah oui, qu'il déteste qu'on l'appelle comme ça, vous êtes con. Non, Ludo. Bon, alors, Théo, t'en penses quoi du coup? On va faire tourner peut-être au moins, parce que juste Angèle, pardon, avant, est-ce que tu peux juste nous montrer les prochains matchs que tu auras? On va retourner dans le menu ouais. Saison, s'il te plaît. Ok, ok, ça, ok. Ça serait bien s'il okay. Arrivait à faire une équipe c'est A pour... et une équipe B. Voilà, c'est juste pour savoir, vas-y, alors appuie sur LT donc là, on pour a voir Kian... le mot. Qu'on va jouer là. On a donc là, là après, c'est quand ensuite il y a Valenciennes. Il y a Valenciennes, ouais. Après le 18, il y a après il y a Orléans. Il y a Auxerre et tu joues à Lille en coupe. Mais c'est fin, c'est à la fin du mois. Ouais. Donc non, on peut garder Théo, je pense l'équipe actuelle. Hein. Oui, 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 tranquille. On les peut garder l'équipe actuelle, Angel. Hein. Il y a pas de souci. Mais on essaiera de faire tourner avant le match contre Lille en coupe parce que Lille, ça va pas être du gâteau. Hein. Allez, okay, okay. On joue pour une deuxième victoire consécutive dans cette soirée. Allez, contre Caen. C'est quand? Je vais rajouter un truc pour, de foot. Vous, Angel, toi, tu dois t'en rappeler de la catastrophe de Furiani. Ah oui, aujourd'hui, il y a eu quelque chose. T'as raison, Théo. On va en parler, Furiani, 92. Puisque. Donc, non, 94, je crois. De... Non, 92, non, 80... ça fera 28 ans cette année que Furiani, ouais, ça s'est passé. Déjà. 92, 5 mai 92. Je sais, j'étais devant ma télé, donc. C'était fou. Et merci les Corses qu'ils ont construit une tribune avec des trucs d'échafaudage que par terre c'était tenu par des aglos. Hein. Il y avait aucune sécurité. Hein. Dessus, mais bon, ça tu refais pas le monde. Et là il y a eu un débat à l'Assemblée et les députés ont décidé que à partir de maintenant il n'y aurait plus aucun match le 5 mai qui se jouera vis-à-vis pour commémorer la ouais en tout cas aucun match national, c'est-à-dire qu'il soit de Ligue 1, de Ligue 2, je crois que le national sera concerné également. Mais ça fait suite en fait pour préciser ce que dit Théo, ça fait suite en fait à une proposition de loi déposée par un député de la Corse. Vous savez que quant à l'Assemblée nationale, le gouvernement peut proposer des lois, c'est le cas par exemple pour la réforme des retraites, mais les députés peuvent également proposer des lois à soumettre au vote du Parlement. Donc tu vois Angel, tu es troisième et Caen est à 2 points de toi Angel. Donc si tu perds, Caen te repasse devant. Oh shit. Et comme on et dit, à quand les vacances? Et Alvarez, c'est 10 buts sur les 3 derniers matchs. Sinon Ludo, ça va? J'ai rien dormi de la nuit, elle a fait que pleurer. Ludo, est-ce que Ludo, tu nous entends déjà? Il s'est endormi sur le clavier. Et tu sais que en parlant de ça, je suis obligé de reprendre le boulot lundi. Oh, mais non, sérieux? Ouais. Ouais, ah bon, parce que comment tu vas faire? J'avais rendez-vous avec mon patron. Parce qu'il m'a demandé de passer. Et il m'a dit que c'est tellement la merde avec les gens qui me remplacent en ce moment qu'il faut que je sois là. Pardon. Oh, but! Oh, génial! Génial, Angel, ce but! Donc, c'est centre cool. En retrait parfait. Mais tu peux pas y aller au boulot? Si, 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 je vais me démerder à marcher, oui. Je vais me démerder à marcher avec des béquilles, mais je vais y arriver. C'est cool, sérieux. Ah oui, mais ils ont des mecs qui tiennent pas la route. Oui, mais c'est pas de ta faute. Oui, mais c'est pas de ta faute à toi. Toi, t'as un arrêt de travail jusque quand? Bah, jusqu'au mois d'avril.
normalement. Et ben normalement, ils doivent. Si tu dis en plus, ils vont même pas te mettre une prime ou quoi. Ah non, non, la seule prime que j'ai eue. Compensation. Eh, Angèle, la seule prime que j'ai eue, c'est quand il y a eu la catastrophe de. Tu sais, le Brizol, que j'étais au boulot, où je me tapais toutes les réunions. C'est la seule prime que j'ai eue. Et encore, tu sais combien elle était? Et tu sais combien elle était, Angèle, la prime? 50 balles. 150 euros. Ah, 150 euros. Oh, dommage, Angèle! Aïe, dommage! Ah, si, tu vas récupérer un coup franc, Angèle! Là, par contre, Angèle, je sais pas si t'as des bons tireurs de coup franc dans ton équipe, mais il est bien placé, le coup franc. Eh ben, j'en sais rien. Hein. eh ben, moi non plus, j'en sais rien. Et là, je suis dégoûté, j'ai pété la manette de PlayStation. Donc, je peux plus jouer au jeu. Oh là là. T'as comment que t'as fait ton compte? Non, mais c'est le. Tu sais, c'est le câble USB. Tu sais, quand tu le rentres dans la manette, il s'est cassé, le petit truc comme le portable. Il s'est cassé. Oui. Oh putain. Ouais, du coup, tu peux plus la recharger. Voilà. T'as aussi un chargeur externe hein, normalement. Hein. T'as spécial pour les manettes. Ouais, mais il faut que. Non, c'est le petit pitonio à l'intérieur de la manette qui est cassé. Oh putain. Ah ça, d'accord. Ok. Donc, je peux plus jouer du tout. Donc, faut que je l'arrache. Allez, aïe, t'aurais dû. Ah oui, t'as frappé. Je voulais dire, t'aurais dû frapper. Mais t'as frappé, alors, c'est bien. T'as entendu ce que je t'ai demandé tout à l'heure ou pas? Qui est bon? Non, j'ai pas entendu. Alors, ta petite journée, ça a été? Bah écoute, ouais, hein, j'ai pris la saucée, sans compter le vent et tout. Sinon, ça va. Tu t'es pas envolé? Ça va, la routine. Non, par contre. C'était hier ou avant-hier, je roulais en bagnole, il y a un compteur poubelle qui a été carrément déplacé avec le vent, j'ai dû piler net. Ah, moi ça va, un t'as compteur 4 roues. Hein. Et j'espère qu'il était 4 roues motrices le conteneur. Hein. C'est pas du tout. Ouais, mais il n'y avait pas la BS. Ah non, mais Valentin, t'as pas le droit. Ah bah si. T'as pas le droit. Alors, on devait faire un débat sur Dembélé, et là on est parti sur autre chose, sur les poubelles. Ouais, alors pour en venir sur Dembélé, donc tu me posais la question et tu nous posais la question sur Ousmane Dembélé, est-ce que c'est un talent gâché ou est-ce qu'il a encore quelque chose à jouer? Moi, avant de pouvoir répondre, j'attendrai de savoir comment il revient de sa blessure en juillet prochain, quand même. Il va revenir avec une jambe en moins, tu sais bien. Et surtout, est-ce qu'il va faire la préparation avec le Barça ou est-ce qu'il sera transféré? Parce que je suis pas sûr que Tuchel veuille de lui au PSG s'il sait que c'est quelqu'un qui se blesse souvent. Bon, je vais pas poser la question à Ludo parce que lui et le foot, ça fait 15. Exactement. Donc ouais, non, en fait, on parlait d'Ousmane Dembélé, l'international français qui s'est blessé avec son équipe du Football Club de Barcelone et il en a encore pour 6 mois de blessure. Dommage. Ludo, quand il est blessé, il touche sa paye à l'intégrale. Et oui, putain, il s'en perd pas celui-là. Je sais pas combien il tourne. Ludo, tu sais combien il a été acheté ce joueur par le Football Club de Barcelone il y a 2 ans? Je sais pas, moi, 70 millions d'euros. Ah non, t'es bien loin, t'es très de loin. La somme. Il a été acheté 105 millions d'euros à l'époque. 105 millions d'euros et le bonhomme, il joue jamais parce qu'il est tout le temps blessé. La cirrhose de banc de luxe. dis-toi que en bonus de son transfert, il a touché 50 millions de plus. Ah bah putain. OKLM. Donc ça fait ça. Tu veux devenir riche, tu joues au foot ça. Pour le centre. Bah moi à mon âge, je pense que moi c'est fin de carrière. 37 ans, la carrière elle s'arrête en plus 37 ans avec un genou en braque hein. Oui. Encore Ludo, toi tu pourrais faire encore quelques années. Même pour en rêve. Ouais, bon, c'est tombé, moi si je joue au foot, c'est en défense et moi on va m'appeler le boucher de la Moselle. Non, on t'appelle Brostroman.
Ouais, sauf que moi c'est pas le ballon que je tacle, moi c'est les jambes du bonhomme. Oh la vache. Non, le foot j'ai assez donné, j'ai joué en club étant petit, j'ai arrêté après. Ah mais il y en a au foot, hein, même quand tu joues en amateur, hein, ils jouent leur vie. Hein. C'est comme si tu aurais fait. Ils jouent leur vie en fait les mecs. Ah bah tiens, en parlant de ça, ce soir il y a un match de Coupe de France entre Épinal et Saint-Étienne, et le vainqueur rencontrera Rennes. Allez, la SSE. Puisque Lyon, et puisqu'il y aura une demi-finale entre Lyon et le PSG. Et demain, normalement, c'est multi. Enfin, multi. Si Angel. Attends. J'ai dit que j'en savais toujours rien pour l'instant. Moi, demain soir, c'est resto. J'aimerais bien, mais je ne peux plus. Non, mais quand je vous dis que demain, il va y avoir les 4/5 des gens qui vont oublier de me souhaiter ma fête. Voilà. Mais non, on y pense pas. Bien, Angel, bravo. Et ça fait deux. Bravo, Angel. Je me suis chié lundi avec Ludo. Je vais pas me louper demain avec Valentin. Mais je vais t'envoyer un message à minuit, Valentin. Bon anniversaire. Bonne année. Ah non, pour la bonne année, on est un peu tard là. Ah merde. Même. Par contre, là, tout à l'heure, je me suis pris la tête avec mon ex. Laisse tomber. Ah. Un truc de vie. Vous voulez récupérer les serviettes. Tu n'auras. Non, c'est pas non. Ça. C'est qu'a marqué. Qu'elle s'appelle trop. 3 buts à 0. Trop heureuse avec mon nouveau mec. Eh ben c'est bien, écoute. Allez. J'ai une question con, mais je la pose. Ils vendent des gants pour les gardiens de but ou des 4 choses. Pourquoi? Oui, parce que le gardien de camp, il devrait franchement changer de gants ou alors changer de bras. Hein. Franchement. Non, mais il a. Tu connais pas les gants de but en pomme banane? Non, mais mon joueur. A un pied tellement lourd qu'on appelle le lance-missile, on l'appelle. C'est pour ça que les gardiens ils arrêtent pas à attraper le ballon. Non mais en fait, il y a que 2-0, Angel. Il y a pas 3-0, il y a que 2-0. Hein. Oui, non mais c'était par rapport à ce que nous racontait Théo. Bon, en tout cas, Angel, tu fais une belle série de clean sheet pour l'instant. Hein. Si tu continues comme ça, tu vas être injouable. Écoute, ça commence, ça allait pas mal au niveau. Ouais, de toute façon, l'objectif cette année, c'est monter. Et puis surtout, au vu des résultats de début de saison, surtout ce qu'il faut éviter, c'est le trou d'air au milieu de saison, en fait. Il faut prendre autant de points que possible. Et tiens, on va parler d'une chose complètement hors du live. C'est qui avait raison qu'il y a une menace sur le Grand Prix d'Hanoï? Mais pour Valentin, il y a 10 000 personnes qui sont en quarantaine, mais il n'y a pas de risque. Mais non. Mais Théo, stop. On va remettre, comme dirait Cyril, on va remettre l'église au centre du village. D'accord. Oh, putain. Je peux mettre une claque qu'il a dit ça. Oh, dommage. Bien joué, Angèle. Oh, putain, le poteau. Ah, je suis verdâtre. On va remettre l'église au centre du village, Théo. Dis-moi combien il y a eu de cas au Vietnam? Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une ville complète de 10 000 habitants qui sont en quarantaine. Et ils ont. Moi je te demande pas ça, je te demande combien il y a eu de cas au Vietnam. Zéro pour l'instant. Et joue sur les mots, c'est pas possible. D'accord, il y a eu zéro cas. Alors si on suit ta logique, donc le Grand Prix d'Hanoï est menacé parce qu'il y aurait un virus. Et ben alors, s'il y a eu par exemple, il y a eu 11 cas en France, et écoute, le Grand Prix de France il est aussi menacé. Il y a eu un cas aux États-Unis, alors le Grand Prix des États-Unis il est menacé aussi. Bah oui, on va se retrouver avec 3 Grands Prix, puis c'est bien. Australie, c'est pas mal. Australie, Bahreïn, Hollande, Belgique, Italie. En Belgique, il y a eu des cas aussi, donc en Belgique, pareil. Allez, encore un mot. On va avoir un Grand Prix. Cette saison elle va être passionnante, hein. Alors déjà que les bagnoles, elles sont chiantes à mourir déjà cette année. Théo, ce que j'essaie de te dire, c'est que je suis en train de te répondre par l'absurde. Tu vois, c'est absurde. Bon, on verra après.
C'est-à-dire que si je suis ta logique, c'est-à-dire que dans chaque pays où il y a eu un cas, il faut tout annuler. Bah oui, on va avoir un Grand Prix un mois après, à nos Grands Prix, 2 mois après à nos Grands Prix, 6 mois après à nos Grands Prix. Bah de toute façon, ils s'en foutent les mecs, ils ont déjà commencé à bosser sur la bagnole de 2021. Ils ressortent les voitures de l'année dernière là cette année, regarde. Non, mais c'est juste, en fait, c'est juste pour répondre à par l'absurde à Théo. Donc pour l'instant, le Grand Prix de Chine, je vois tout. Ah oui, oui. Non, mais Grand Prix de Chine, je vois tout le monde qui s'agite, qui dit ça, il est annulé. Non, pour l'instant, il n'est pas annulé, il est reporté. Ah, c'est pas pareil. Ouais, mais qui dit reporté, ils vont pas arriver à le caser dans la saison. Ou alors, on a des Grands Prix à Noël. Ou alors, je vois bien quand même, quand vous voyez les Grands Prix sur Canal+, j'imagine que c'est à la fin. Rendez-vous le... Bah écoutez, on ne sait pas encore, on vous tiendra informé. On ne sait pas où est-ce qu'on ira aussi. Bah c'est ce qui va arriver après le Grand Prix Bahreïn. Ils vont dire, bon, j'entends bien, fait bon, bah à la prochaine, mais on ne sait pas quand. Mais non, ce serait... Quand, après, il y aura un Grand Prix. Non, mais après Bahreïn, c'est Hanoï en plus. La Chine, bah, alors, après Hanoï. Et je vois bien le coup aussi... Bon alors du coup, vu qu'il y a des épidémies un peu de partout, les Grands Prix sont menacés d'être annulés, la saison de Formule 1 2020 aura lieu sur FIFA, sur F1 2019. Ah. J'en peux plus de vous. Non. Ou alors il va dire rendez-vous en Belgique. Hein. À l'année prochaine. Mais on a fait que les essais hivernaux. Oui, bah écoute. En fait, le résultat du championnat du monde, ça va être les essais hivernaux. Comment ça, gros Jean, champion du monde? Le mec, il a roulé avec un lit de sang. Il tout le monde. Mais c'est pas possible. Mais ce que je suis en train de vous dire quand même, bon sang. Mais ce que je suis en train de vous dire, voilà, je vous réponds par l'absurde parce que pour l'instant, il n'y a que la Chine qui est concernée. Donc potentiellement, il n'y a qu'un Grand Prix qui a annulé. Ça veut dire qu'il en reste encore 21. Bah oui. Attention, c'est normal, ils ont bouffé du cheval. Et attention qu'il n'y a pas un cas en Australie. Sinon, on n'a plus d'ouverture. Bah non, mais ils ont cramé les kangourous, donc c'est bon. On a plus. Mais vous avez pas le droit de se moquer. Non, ça par contre, en fait, je suis pas d'accord. Ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit, par contre. Et par contre, ça, on n'a pas le droit. Parce que nous, on aurait la même chose. On n'aimerait pas qu'on se moque comme ça des autres. C'est pas faux. Je suis pas d'accord. Par contre, je vois bien la saison commencer en Italie tranquillement. Au mois de septembre. Mais non, mais Théo, du coup, allez, je te boum, réponds encore dedans. Une fois. Je te réponds encore une fois. Vas-y, montre-moi. Voilà. Bien joué. Ça fait 3-0. Oui, 3-0. Non, mais le problème, donc, c'est que les mecs, ils mettent des grands prix, mais trop rapprochés. C'est-à-dire que là, la Chine va quasiment sauter. Après, il y a Hanoï, il y a 15 jours. Mais entre Bahreïn, c'est Hanoï. Non, c'est Hanoï avant. Hanoï avant. T'écoutes pas ce qu'on te dit, je te dis qu'Hanoï, c'est avant la Chine. Ah, d'accord. Oui. Ça veut dire qu'entre le Grand Prix d'Hanoï au Vietnam le 3 avril et le Grand Prix des Pays-Bas, c'est le week-end du 1er, 2 et 3 mai, il y aura un mois complet. C'est ouais, pas bah, c'est comme entre la Hongrie et Spa. Les mecs, ils vont avoir des vacances prolongées en fait. Moi, je dis que le Grand Prix de Chine, ils vont peut-être pas le mettre là. Cette saison, elle va se jouer sur F1 2019. Ouais. Pas le choix. Mais non, parce que non, Angel, il va manquer des circuits, il manquera Hanoï et les Pays-Bas. Mais Godmaster, il va faire ce qu'il veut. Oh le lapsus, oh là là. De toute façon, chez Kani, ils nous la mettent dans le cul, donc ils partent bien leur nom. Hein. J'ai envie de te dire un truc. Ils vont te faire des mises à jour à chaque fois qu'on te met un circuit, à chaque fois c'est actualisé. Finalement, non, il n'y aura pas ce Grand Prix là. Ah si, ah, finalement, merde. Il y aura ce Grand Prix. F1 2020, non. Patch 1.30. Ah. Ça fait combien de temps qu'il est sorti le jeu? Bah, ça fait 3 semaines. Ah ouais, 3 semaines. Quand même, ouais. Oh, les gens aiment bien qu'on raconte des conneries. Depuis qu'on raconte des conneries, on est passé de 3 à 6. Mais c'est ça, hein.
Y a pas de secret. Hein. Faites-nous le coucou ceux qui sont là. Coucou. Mais toi, on va avoir une saison hachée, on va avoir des. Ça va être insupportable. Tu vas avoir une saison hachée comme la viande. Oh la vache. Et après je vais manger un tartare. Et un bon taco. Un bon taco viande kebab viande hachée. Non mais voilà quoi, on va avoir une saison hachée, on va avoir des grands prix 4 mois après, on va finir à Noël. Vous faites quoi à Noël? Bah je regarde le grand prix de... Quel grand prix bouffer la dame. Non, je regarde les qualifs. Attends, c'est le grand prix du Canada. Mais putain, mais vous en êtes que là. Non mais hey, ah, ouais. les gars, moi je les vois bien mettre ça. Soit... Oula, il est ralenti. Qu'est-ce qui se passe avec Valentin? Moscou et l'Azerbaïdjan. Putain, il y a Valentin qui est en train de planter. Donc je dis... Coucou. Oh putain, il est en slow mode le Val. Oh la catastrophe. Non, ça devait être un live calme. Bon, c'est tu parles mon cul, ça a duré 5 minutes. C'est clair. Coucou, est-ce que là c'est mieux? Je m'appelle Valentin. Moi, je suis en train de regarder le calendrier de la saison de Formule 1. Ah bah alors, non. Moi, pour ça moi, t'a fait bugger. Il en manque la moitié. Il en manque la moitié, Grand Prix. Non, mais les gars, moi, pour moi, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités pour l'occasion de ce Grand Prix. Soit ils vont le recaler entre Monaco et l'Azerbaïdjan. Tout simplement parce que faire Chine-Azerbaïdjan, c'est moins loin. Soit, mais alors là, ça va faire un grand voyage. Ils vont le caser entre le Canada et la France. Mais ça veut dire que tu auras un enchaînement Canada, Chine, France et Autriche sur 4 semaines consécutives. Là, ça va être chaud quand même. Non, moi, je verrais plus, ils vont caler la Chine. Genre 2 semaines après la Hongrie et 2 semaines avant Spa. Bah ça tombe bien parce que ce sera entre le 19 juillet et le 31 août alors. Bah voilà. Non mais merci. On va arriver avec le Grand Prix du Canada sous la neige, puis c'est bien. Ah ouais. De neige. Ah ça serait terrible ça. Alors, souvenez-vous l'année dernière, juste avant le... Souvenez-vous l'année dernière, les quelques jours avant les essais hivernaux, il avait neigé sur le circuit de Barcelone. Ouais, puis il faisait tellement froid qu'ils attendaient l'après-midi pour sortir, tellement que la piste était à 2 degrés. Bah ouais, elle était trop froide. Non, mais là. T'as pas l'air d'accélérer un petit peu, avec des pneus tendres, ta voiture. Sinon, si c'est le dernier Grand Prix de la saison, bah ce sera le week-end du 6 décembre. Ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que Abu Dhabi a signé un contrat. Dans son contrat, c'est obligé qu'il soit en fermeture de la saison. Ou alors sinon, ils vont nous la faire entre le Brésil et Abu Dhabi, c'est-à-dire le week-end. Ouais, ça y est, reparti. Oh la vache. Du 20 21 20 20 non. Oh putain, mais mon Discord il est en rouge, bordel. Ça y est, ouais, on a entendu. Donc moi, ça va, il est vert. Donc je disais dans le week-end du 20 21 et 22 novembre, c'est-à-dire entre Brésil, ou alors sinon ils le mettront entre Mexique et Brésil, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais, mais le problème c'est qu'on va avoir une saison très très bizarre parce que les grands prix vont pas s'enchaîner comme d'habitude. Tu vas avoir des trous dans la saison. Ou alors ils le mettent entre le Japon et les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils font Japon, Chine, États-Unis. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient pas par continent.
en fait. Ouais, ça serait bien. Moi, ouais, c'est ce que je l'avais dit hier. Bah non, c'est moi qui le disais hier. C'est ce que je disais hier. Pas pour moi. Bah, de toute façon, on l'a dit hier. Bref, on s'en fout qu'il l'a dit. On l'a dit hier, mais on s'en fout qu'il l'a dit, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Parce que tous les grands prix asiatiques en même temps. Et c'est-à-dire les grands prix asiatiques, tu peux mettre l'Australie, tu peux mettre le Japon, Hanoï. Il y a quoi d'autre? Parce que surtout que si on le met la Chine après le Japon, on sera en pleine saison. Rappelez-vous des fortes pluies, des moussons. Ah bah oui, bah c'est pour avoir un grand prix où il y a trois tours, puis après hop, drapeau rouge. On attend deux heures, puis le grand prix est fini. Très peu pour moi. Hein. Et puis si c'est pour avoir encore des accidents mortels à la Malaisie. Ah oui, la Malaisie 2009, c'est ça? Ouais. Enfin, il y avait une trentaine de tours, mais après le drapeau rouge, ils ont attendu une heure pour finalement dire que la course ne partirait pas. Ouais, ils avaient mis la moitié des points. C'est ça, ouais. De mi-attribution des points. Ouais. C'est normal, c'est ce que le règlement prévoit. Ouais, entre deux tours et 75% de la distance, c'est demi-attribution des points. En dessous de 3 tours, bah, c'est aucune attribution des points. Et au-delà de 75, c'est pleine attribution des points. Je te l'ai dit, ça va être une saison très très bizarre, en fait. Oh, ça va rentrer, Angel ? Non, ça rentre non, pas. Non, non, non. Juste sur la ligne. Et du coup t'as pas le Discord là? Ah mais non, si t'as le Discord en PLS c'est que tu vois pas si les si c'est bon. Si si, mais en fait tu sais que t'as le décalage comme en F1. Non, là j'ai très peu de décalage par rapport à ce que je vois sur Discord et ce que je vois sur Twitch. Je dois voir quoi? J'ai à peine Ouais, mais ce qui compte, c'est ce que tu vois sur le Discord, parce que le Discord, ça va être vraiment le vrai direct. Hein. C'est ça. Non, mais là, on va avoir une saison très très bizarre. Oh là, oh là, Angel, oui. Attention, arrive. Ça va être une saison étrange. De QFO. Poteau. Parce qu'on va avoir Poteau, des... Angel. Sachant qu'on va avoir des coupures quasiment d'un mois, les mecs, ils vont faire quoi? Ils ferment les usines ou. Non, il n'y a que la période estivale qui ferme les usines. C'est pour ça que même le mettre la période estivale, c'est con. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ah, et on revoit le fait que ton but est invalidé, Angel. Puisque, effectivement, il n'a pas franchi la ligne. Et dis donc, il aurait même presque pu y avoir mort. Hein. Et Ludo, t'en penses quoi? De la saison? Ouais, qui va arriver. Bah écoute, au rythme où on en est, franchement, j'ai envie de te dire, ça va être quoi? Ça va être Australie. Après, il va y avoir des grands prix en Asie qui vont être annulés à cause de ce putain de virus de merde, ça va foutre un bordel pas possible. Et tu verras, avec le bol qu'on a, la saison elle va se finir mi-décembre. Sous la neige. Eh merde. Mais non, tu verras avant les essais, tu verras les sablières qui vont tourner. Ah bah oui, c'est même sûr, mais bon, tu fais quoi pour Noël? Ah bah je regarde le Grand Prix, attends quoi, le Prix de France. Oh oui Angel, superbe! Le but d'Angel, VA 0, Grenoble 1. Et voilà, ça c'est fait, ouverture de manière de célébrer. Oui, je pense qu'il a fait une crise d'épilepsie arrivé par... Ouais, ou alors on dirait un chien qui marche son territoire. Ah c'est pas faux. J'ai marqué. Remets la queue. Oh non, mais non, mais Angel, non, mais merde. Mais non. Si. Et c'est, Angel, c'est comme ça qu'on compte attirer des viewers? Eh ben dis donc, on a encore du boulot. Hein. Ah. Tiens, je me posais une question. Comme après, c'est vrai que je prends pas le temps d'aller regarder, mais quand Jeff fait des lives, il l'annonce sur ses réseaux sociaux ou pas? Sur son Discord, il le dit, puisqu'il y a un planning qui sort toutes les semaines. Ah, ok, ouais. Donc, les viewers savent à peu près quand est-ce que c'est. Ou pop, 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 pop. Angel.
Mais t'inquiète pas, Jeff, il a le même problème que toi. Dès que c'est pas F1, non, non, mais c'était juste une vraie question. Hein. C'est pas le souci de savoir s'il fait plus de vues que moi. Hein. Je sais qu'il a plus de monde que moi au global, y a pas de problème. Non, non, non. Bah là, tu vois, par exemple, actuellement, pendant que toi tu fais du FIFA, lui il fait du Grand Turismo, il a 37 personnes sur son live. Ouais, c'est pas ouf non plus. Et tu sais comment il conduit? Avec une guitare. Hein? Ah ouais. D'accord. Il fait du Grand Turismo avec une guitare. Ok. Ouais, pourquoi pas. Allez, Angel Alvarez. Penalty. Non, je rigole. C'est bon. Ne me criez pas dessus, je rigole. Non, non, il... Non, non, il n'y a pas pénalty. Tu as 20 mètres de la surface. Non, mais... Non, mais le scandale. C'est bon, je plaisantais. Plus... Je plaisantais. Eh, tu veux pas non plus qu'on t'accorde un pénalty dans le rond central, toi? C'est comme si je disais, quand on fait un Grand Prix de Formule 1, que quand je m'arrête au stand, ils me changent des essuie-glaces. S'il vous plaît, vous me faites parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, je pourrais avoir les points? C'est pour prendre les assiettes qui sont sur le catalogue. Eh, moi, je reviens là. Putain, mais merde. Angèle aussi, c'est de ta faute, hein. Tu sais très bien que comment elle rigole, hein. Tu le sais très bien. Je voudrais le service à Ricard, à Whisky. Il manque 50 points, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Bonjour, je vous Ça y est, on l'a perdu. Ça y est. Oui, monsieur Hamilton, est-ce que je vous fais le pare-brise en même temps? Non, mais imaginez, moi je repense à la dernière fois que vous avez envoyé la vidéo où il faisait son truc de journalisme. Imaginez, c'était un pare-brise. Oh putain. Non, on évite, et pourtant Dieu sait que on aurait pu en avoir. Salut Atlantis. Bah merci de venir briser un petit peu ce silence dans le chat. Putain, mais oh, le chat fonctionne, regarde. Regarde, un viewer, un vrai. Non, Atlantis, je suis pas encore décédé, t'inquiète pas. Oh, un là, viewer Angel, sauvage arrive. La reprise de volée ambitieuse, mais... Sors la Pokéball. Oh non. Ouais, je vais l'attraper. Je suis désolé, je risque. Là, je suis désolé, je rigole plus, les gars. C'est plus rigolo. Oh, à un moment ça donné, va, hein. Tu arrêtes un petit peu. Oui. C'est pas ta mijoie. Oh, tu es. Hey, tu es pas un petit peu marseillais sur les bords, toi? Mais, tu sais, hein, le port de Marseille a été bouché par la sardine. Hein. Ouais, ça, c'est de la légende urbaine. Hein. Ça n'a jamais été vérifié. Non, non, attends, tu sors avec nous. Oh, Angel, Et eh ben non. Ça y est, va la jouer. C'est quoi la légende? De quoi? Je me demande, il est mal réglé mon micro, quoi. J'ai l'impression que vous m'entendez pas. Ah, moi je t'entends très bien. Ah bon, ça va. La légende du port de Marseille bouché par la sardine. La sardine, c'est un bateau. Ah, quel magnifique corner. Angel, t'as vu ça, franchement, hein. La prochaine fois, quand tu tires un corner, franchement, tu refais la même. Franchement. Bah, il y avait un truc, t'es sur l'affichette là-bas et il déconnait Angel. L'écran, alors je voulais réduire le problème d'écran. Angel. Oui, c'est moi. Tu peux rentrer oui, c'est moi. Tu peux ranger tes pieds carrés au vestiaire, s'il te plaît. Alors attends, deux secondes, je rentre mes Playmobil. Oh, oh, allez hop, allez, chevalier, Teddy Chevalier. Eh ben, il est tombé du cheval. Guillaume, la frappe, non. Va te racheter un pied. Est-ce qu'il a vu le roi Arthur, chevalier? Je sais pas, mais en tout cas, il a dû voir un avion passer parce que. Mais non, le pauvre Teddy Chevalier, d'ailleurs, je crois que dernièrement, il a marqué un penalty. Allez, Amaya, le centre d'Amaya. Centre superbe d'Amaya au point de pénalty. Comment il tombe? Fais gaffe, hein, ton joueur il a fait une crise cardiaque.
Après une crise d'épilepsie, fait une crise cardiaque. Le mec il s'est curé tellement il est bon. Et regardez, et non, c'est j'ai une pointe pénalty, mais c'est même au premier poteau et il la prolonge. Oh, puis le gardien il est un peu aux fraises. Hein. Eh, non, mais t'as l'impression qu'il prend la balle sur la tête, c'est l'air de dire oh merde, c'est qui m'a heurté. Là. Et t'as vu le photographe comment il met derrière ouais. Comme il met son truc. L'autre il est sur la pointe des pieds, puis il met au lieu de son truc droit, il le met en penché. C'est FIFA. Allez Angel, ça fait 2-0 et Angel, je tiens quand même à te dire que ce soir, tu n'as toujours pas encaissé un seul putain. Ah, je croyais qu'il allait dire, je tiens à te dire que je m'en vais. Salut. Ah. Non, je suis non. La chanson en plus c'est je suis venu te dire que je m'en vais. Voilà. Voilà. C'est rien pour te faire chier, Angel. Et faudrait peut-être leur expliquer que pour marquer un but, c'est pas derrière la cage qu'il faut mettre le ballon. Hein. Non, non, bah oui, mais Teddy Chevalier, là, je pense qu'il soit, il a voulu centrer. Ouais, ou j'ai surtout l'impression qu'il est complètement bourré. Ouais. mais non, il a but des canons avec le roi. Oh là, Angel, alors non, par contre, Angel, il y a quelque chose. Jamais relancé dans l'axe. Jamais relancé dans l'axe, Angel, jamais, 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 toujours sur les côtés. Parce que tu t'exposes à ce genre de choses. Draken il joue à Netflix Life. Il doit être encore en train de faire du GTA RP. En jeu Angel je pense, non? Ouais en jeu. Normalement t'en fais samedi avec lui toi. Normalement, ah t'es plus sûr. Si non mais à part s'il change d'avis ou si les serveurs tombent en panne. Atlantis, si t'as une question à poser, hein, n'hésite pas. Le samedi, il voulait faire du Euro Truck ou je sais pas quoi, et qu'il y avait les serveurs qui étaient tout pétés. Hein. Ou c'est peut-être sa connexion. Non. Enfin bref, du coup, on sait jamais. Les aléas du. Ah. Allez, je pense que là, il y avait un spectateur qui lui avait manqué de respect. Donc le spectateur en fait, a pris le ballon dans la gueule. Je vais m'apercevoir que t'as même pas fait de tweet, toi, pour le live de ce soir. J'ai absolument pas eu le temps aujourd'hui, j'avoue que, et encore, j'aime autant me dire que c'est déjà bien que je puisse faire un live parce que j'ai passé une journée de martien. Ah, carrément. Moi j'en ai fait un, mais bon, il est pas terrible comme d'habitude. Oh, c'est très bien, c'est mieux que rien. C'est qui compte. Oyez, brave Jean, ce soir Angel 038 vous propose de le retrouver. On ne fait pas un live où est Angel. Lol, non sérieusement, ce soir c'est FIFA 20. Ils auront avec Valentin un débat sur la blessure et la précision de Ousmane Dembélé. Oh yeah. Oui, et tu voulais parler aussi des matchs des futurs matchs du 8e de finale de la Ligue des Champions qui démarre mardi. Donc mardi soir 21h évidemment le choc Dortmund Paris Saint-Germain. Donc moi je serai pas là. Mais également voilà, mais également Atlético de Madrid Liverpool, ce sera le mardi. Tu viendras juste faire un petit coucou pendant la nuit. Du coup, mardi, probablement que je ferai du Dragon Ball, tiens. Parce qu'il va falloir continuer à avancer hein, sur ce machin. Hein, parce que. Oh, quel dommage, monsieur était hors jeu. Allez, 74e minute de jeu, Angel, et tu mènes. Et tu mets toujours 2-0. Attention à Guillaume. Po. Allez, Amaya qui se retourne pour Aspantino maintenant, qui a vu Amaya partir sur son dos. Le centre. Et le but, non, c'est le but, il est rentré, ça fera 3-0. Ta gueule. Et donc mercredi soir, Théo, il y aura Atalanta, Valence et Tottenham Leipzig.
Non mais je vais te dire, hein, les autres matchs de Ligue des Champions, quand c'est pas Paris, je regarde pas, donc... T'as comment il s'est viandé ton joueur. Mais qu'est-ce que tu vois ? Il s'est mis une cartouche intersidérale. Il n'y a que mardi que je suis pas là. Bon, ça va vous faire un peu de vacances. Bah oui, mais bon. Bah du coup, si mardi il est pas là, Angel, tu peux pas faire du DBZ puisqu'il est censé te... T'inquiète. Tu remarqueras que ça fait deux lives que Angel leur fait solo. Ah. Et après le mardi. Et après le mardi suivant. Ça y est quoi ? Ah non, pas du tout. Je t'ai déjà dit que si tu as pas besoin de moi, je m'impose pas. Tu le sais très bien. C'est pour. T'es casse-couille ce soir, toi. Attention, putain. Angel. Oh là là. Alors, c'est bien, oh, moi. Putain, le bordel. Non, mais moi, ce qui est très bien sur le direct Discord, c'est qu'on me dissèque image par image par image. C'est comme ça, tu vois le détail de l'action. C'est important. Ouais, là j'ai vu qu'il y avait Vandenable, ton belge là, qui a relancé n'importe comment, c'est récupéré par Spanoraou, fin de frappe. Et juste à côté, oh, et frappe derrière. Ouais. Celle-là, elle est... Angel, que fait est-ce un que tu sais... fâché. Blague, que fait un hibou fâché? Il boude. Oui. Ouais, ça c'est un message que nous fait passer le PS. Ouais. Bah oui, je boude, tiens. Allez, le corner, premier poteau, c'est récupéré, arrive pour Guillaume Lafra. Oh la vache, le carnage. Et Brice Paubleu, bien joué. Bon bah, Angel, oui. Tu... Tranquille, hein, tranquille, tu gères ta fin de match, il reste une minute de temps additionnel. T'as dit Paubleu. Almeida. Maubleu, ah, Brice Maubleu. Ah, j'avais pris Paubleu. Pour la frappe, là, il y a un Valenciennois qui a frappé. Ah oui, il a... Putain, le grillage, il a super ce soir. En fait, le mec, c'est un schtroumpf. Angel, c'est moi ou t'as fait 3x3-0? Non, tu vas pas. C'est possible. Bah si, t'as fait 3 victoires, 3 buts à 0. Guingamp a gagné, Lorient a gagné. Gentiment de répondre à nos questions. Bon, du coup, tu prendras certainement pas de position, Angel, ce soir. Ce qui est bien avec The Phoenix, c'est que... Il tweet tellement que tu sais à quel moment le TP est. T'as ah même oui, pas besoin ça. De regarder TPMP, tu sais directement où il est. Ouais. Et donc du coup en Ligue des Champions, après donc cette première semaine, le mardi 25 février, il y aura Chelsea, Bayern et Naples, Barcelone. Et puis le 26 février, il y aura Lyon, Juventus et Madrid, Manchester City. Ça va être un beau match Madrid-Manchester. Oh bah Lyon-Juventus, il va. Lyon en prend 4. Bon, ça c'est pas grave. Pas sûr. C'est quoi ton prochain Grand Prix? C'est. L'Autriche. Gros surprise, von Österreich. Voilà. Tu vas t'habiller en tyrolien. Eh Ludo, t'as fait autrichien en deuxième langue ou pas? Non, j'ai fait allemand LV1. Allemand. Parce que tu l'as prononcé le nom du Grand Prix en langue du pays, c'était parfait. Alors du coup, on a un message, une notification. Alors c'est l'entraîneur adjoint, ce sont tous les joueurs appelés en sélection. Et bien tu as Arsène Ilogo et Christopher Inge Christensen qui lui va chez les Islandais. Donc toi ça te concerne pas puisque je crois que t'as pas de match à ce moment-là. Ok. Alors, on en refait un Angel ? Allez, encore un petit. Bon, on en est où sur le calendrier ? Fais voir, attends un peu la saison. Alors... Là, t'as l'US Orléans, après je crois que c'est Auxerre, et après, Auxerre, et puis après c'est de la coupe. Mm-hmm.
Après, tu auras le PFC, Le Mans, Nancy, et tu joueras peut-être le leader du classement Lorient, justement. Ah, ce sera un match. Nancy, Nancy. D'ailleurs, tiens, ce soir, Ludo à Nancy, il y a Épinal qui joue contre Saint-Étienne. Ouais. Dit-il. Non, mais, je sais que c'est... Ludo, il aime pas le foot, donc... Bah ouais, le problème, c'est que je réponds quoi, moi, ça. Non, mais... Ça va, bah, juste pas, oui. Hein. Juste oui, c'est très bien. Bah voilà, oui. Voilà. C'est comme tu étais en extase devant Nancy, c'est pour ça. Bah oui, vu que c'est ma région, c'est à quoi ? C'est à une soixantaine de bornes de chez moi. Hein. Enfin, je suis plus proche de Metz que de Nancy, évidemment. Bon. Et donc, pour l'instant, en IRL, Épinal est mené 2-0 par Saint-Étienne, voilà. Allez, Angel, nouveau match de championnat, 11e journée cette fois-ci. Et tu vas presque atteindre le premier tiers de la saison, Angel. Hein. Ah oui, je pensais qu'on était plus loin que ça. Mais... Ah ben non, il y a 38 matchs à jouer en Ligue 1. Nom de Dieu. De... Ligue 2, sauf que c'est... de Ligue 2, pardon, mais en Ligue 1, c'est le même nombre. Parce que plus après... Il n'est pas encore en Ligue 1. Hein. Ouais, et puis après, Angel, t'as ça... Plus un potentiel playoff et un potentiel barrage. Donc non, ça, mais... ça te fait 4 matchs de plus, donc ça te fait au moins 42 matchs en championnat, plus les tours de coupe. Donc mais tu peux au moins jouer 53 matchs. À Angel, 55 matchs. Il va finir premier, puis c'est bien, comme ça sera réglé. Bah oui, s'il finit premier, 38 journées lui suffiront. Oui. Mais attends, c'est pas dit parce que pour l'instant il y a toujours un point de retard sur les Chamois Niortais et 4 points je crois sur ah mince et 4 points sur Lorient. Ah, qui sera ton adversaire direct en fin novembre, Angel. Ah, Angel, totalement sujet hors sujet. Penses-tu sur F1 faire une saison ou pas? Bon, on va voir déjà combien de temps on va mettre pour la faire, celle-là. Ouais. Et puis on verra après. Hein. Selon l'envie, la motivation. Oui. Parce après, que je crois qu'Angel, si à la troisième saison tu gagnes pas un titre, je crois que ce sera la première fois depuis très longtemps que t'as pas gagné un titre sur un opus de F1. Je crois même que ce sera une toute première. La merde. J'ai intérêt à me bouger le cul. Non. Mais ta saison est lancée. Ça va être bon avec un super ingénieur. Ouais, c'est vrai. Ça se passe bien pour l'instant. Ah bah, comme je te l'ai dit sur un live où on était que tous les deux, Ludo t'amène une autre vision de la F1, beaucoup plus moderne en fait. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors attention. C'est bon, moi, je me sers de ce que j'ai moi en tant que dans mon expérience de pilote. Hein. Mmh. Et puis du coup, c'est vrai que Cyril avait une vision assez fermée de la chose. Même si on le salue et qu'on espère qu'il va bien, mais... c'est vrai que ça change. Oh là Angel. Oh, bien joué. Mais quel temps, Valentin nous a sorti une expression à la Cyril. Hein. Remettre l'église au centre du visage. Oui, parce que tes allégations m'ont énervé. Ah, je t'énerve. D'accord. Dommage. Parce que c'est bon, déjà le coronavirus, on en entend parler tous les jours.
Ah bah tu sais, j'écoute même plus les informations. Vaut mieux pas. Bah moi je suis bien obligé puisque. Et c'est un peu ton boulot. Bah oui, parce que tu vas finir sur BFM, donc c'est sûr. Hein. Non. Bullshit FM. J'ai aucunement envie de terminer sur BFM, déjà c'est pas là où je vais aller, puisque moi je vais aller en radio déjà. Donc ça c'est réglé. Première. Bientôt il y a une fragilité sur TL. Ouais. Eh, déconne pas, mais vous savez, on parlait de Furiani. Vous savez que pour entrer à RTL, bon, vous avez la voix classique, envoyer des CV, tout ça, mais nous qui sortons d'école, là, par exemple, on peut présenter un concours qui s'appelle la bourse Jean-Baptiste Dumas, du nom du journaliste de RTL, justement, qui est décédé dans la catastrophe de Furiani. Ah ouais? Eh oui. Oui, il y a eu des journalistes qui sont décédés. Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ils étaient en tribune haute. C'était quand tu fais une chute de tubes lunettes sur des tubes en métal, généralement ça te fait pas du bien. Non, généralement ça se finit pas terrible. Moi c'est clair. Seule consolation, c'est qu'ils n'auront pas eu dans tout. Non. Il aurait jamais dû prendre le ballon à Maillard, il y avait l'autre derrière. Ouais, mais il s'est dit vas-y, je vais marquer. Et merde. Oh putain, le gardien il s'appelle Renault, c'est pour ça qu'il a du mal à démarrer. Oh non. Ah bah si. Il critique les voitures françaises. C'est comme ma voiture du boulot, hein, le matin elle a du mal à démarrer. Voilà. Voilà, en tout cas, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Jean-Baptiste Dumas, journaliste de RTL, n'était pas mort dans la catastrophe. En fait, il s'est suicidé 2 ans et demi après. Oh, en fait, personne roule français en fait. Si, moi. Ah, tu roules français toi? Moi aussi. Un peu, ouais. Non, moi c'est coréen, moi. Coréen? Bah oui. Coréen? Ludo, il a pu tester. Oh, vas-y, arrête de te moquer. Elle est bien ta voiture, en fait. Coréen du Sud ou du Nord? Je sais pas. Mais je en pense tout que cas, elle est, elle est confortable, sa bagnole, Angèle. Hein. Les sièges massants. Ah oui, t'as roulé dedans. Bah, j'étais à la place du copilote, hein, à la place du Nord. Hey, t'as pas... Il te l'a pas fait tester? T'es malade, toi. Il tient trop à sa place. Oh, hey, je venais de me taper 4 heures de train. Comment c'était pour rouler une bagnole ensuite? Ah mais moi le jour où je vais voir Angel, il me fait test sa bagnole. Bah j'irai à pied alors. Il y a rien de ouf. Hein. Ah les mecs ils ont pas confiance. Ah bah c'est parce qu'on te connaît assez déjà dans les lives pour savoir comment tu peux être. Oh t'inquiète pas. Angel faudra te caser un week-end au mois de septembre. Oui. Et normalement, tu devais pas partir toi en vacances en Corse, toi, Angel. Non, on change de destination, on va repartir à l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. On va aller autour de La Rochelle, là-bas. On n'a pas encore exactement la réservation, mais merde. C'est en train de se faire. Oh putain. Putain, j'ai pris un vieux but, je suis dégoûté. Là, ça va te faire du bien de plus nous entendre. Non, Angel? Bah ouais. Ça va faire du bien de plus nous entendre. Surtout Valentin. De quoi? Le mec qui écoute... Voilà. Le mec qui écoute pas le live. Non. Là, encore une fois, j'ai une saute de micro. Oh, et c'est là qui, l'arbitre? Non. Ça vaut pas un pénalty. Ça va lui faire du bien de couper un petit peu, de se reposer pour revenir en forme. Non, normalement, si je pars en vacances, ça va être courant juin.
Ok. Voilà, par contre, ça fait un but partout entre Grenoble et Orléans. Aïe, ah, Angel. Si on peut marquer. Après, moi, je vais essayer. Enfin, je vais essayer. Ça dépendra de la santé de ma mère. Je vais peut-être aller voir mes grands. Une tante à moi en Italie. T'as de la famille italienne, Théo? Je suis né à Rome. Hein. Ah, il y a du sang italien. Je suis héritage et je le reste dans le verbe et dans le geste. Toi, je vais te mettre une grande tarte. Tu commences à critiquer. Il y a de la famille à ma petite femme qui sont italiens. Ah, c'est cool. Elle est d'origine italienne. Ah, bah c'est bon. Ouais. Une compatriote. C'est pour ça qu'elle doit avoir un caractère, parce que généralement on a des caractères assez trempés. Trempés. C'est-à-dire qu'on vous met dans de l'eau et puis vous ressortez en colère? Oh, c'est pas un gremlin ça. Non mais. Angèle, tarte-le pour moi. Tarte-le. J'ai mis une grosse tarte. Mais... Non mais excusez-moi, mais dans le genre blague débile, on peut encore en faire, hein. Il n'y a pas de soucis, le réservoir est pas encore vide. Hein. Non mais quand on dit fort caractère, c'est-à-dire qu'on se laisse pas marcher sur les pieds. Quitte à dire n'importe quoi. Ah mais même quand j'ai tort, j'ai raison. Ah, tu es borné. Bien. Voilà, ah oui, c'est un bout, du coup, on appelle ça. Merci, Angèle. C'est moi, les... Le nom de ton père, c'est propre. C'est un connard, là. Moi, les gens, la tête. Oh, la vache, ça tourne mal. Regardez. Les mecs, ils s'insultent sur le live, c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est normal. Ça. Non, mais... Moi, les gens bornés, je déteste ça. Oh, ta gueule. Oh, bah t'es mal barré, alors. C'est clair. Parce que là, t'en as trois pour le prix, là. Tu sais, les mecs mais qui se traitent bien. Et tout. Mais je t'aime bien. Quoi, mais je t'aime bien quand même, Théo, hein, ça change rien. Oh, merde. Putain, mais c'est con. Putain, je mettais vers le bas. Bah voilà, tiens, ça t'apprendra à faire le con. Aïe, aïe, aïe. Chut. Ah, j'ai pris un but. Bon, bah, Angel, ça fait 2-1. Hein, ouais, ouais. Pour Orléans. Ah, puis là, il t'a nettoyé les toiles d'araignée, là. Allez, Angel, hein. Mais de toute manière, c'est leur stratégie, hein. C'est de jouer sur un bloc bas et justement de te prendre en contre. Et ça marche pour eux parce que ça fait 2 fois qu'ils te prennent en contre. J'ai une blague là-dessus, mais faut mieux que je me passe. Vas-y, je t'en prie. Non, mais vas-y, après tout, dans le genre blague beauf, vas-y, hein, il n'y a pas de souci, ouais. Hein. Faut demander à Angel s'il aime, hein, ce que oui, vas-y. Ah. Il a pas compris. Alors, si, mais je suis en train de réfléchir à ce que je vais te répondre. Déjà, peut-être Angel, avant de réfléchir à ce que tu vas lui répondre, faut réfléchir à bien jouer. Ce sera pas mal, déjà. Oh là là. Il a clashé le patron. Va-t-il avoir un participant? Vous le saurez. Et merci pour le feu. Tu vois, il y a des rames de gens qu'il faut. Ça existe encore. Ça sent un peu le tacle à la gorge quand même. Hein. Et voilà, l'égalisation. Yeah! Et merci JG. On la passe au cordeau, Angel. C'est génial! Et attentif qui a bien donné le TG était magnifique. Allez Angela, on essaye. La personne qui vient d'arriver sur le live, bienvenue chez les fous. Ouais, vous affolez pas, ça va se passer. Bienvenue dans le sanatorium. Oh non, ouais. Par pitié. T'as vu la dernière en fait, Ludo? Oui. Pas mal. Hein. Ah putain, mais à chaque fois qu'il sort une vidéo, je m'en passe pas nier. Ouais, mais moi j'adore quand ils utilisent le SLS. Là. Ah oui, ouais. De qui Jordan Périgo. Ah,
vous êtes encore sur ça. Bah bien sûr, et nous on adore tout ce qui est paranormal avec Ludo. Vous aimez tout ce qui est paranormal? Ah mais je kifferais faire ça, mais franchement... Bah pourquoi tu fais pas chasseur de fantômes alors? Tu contactes Jordan, tu lui dis écoute, je vais faire partie de ton équipe. Ouais mais tu crois que c'est aussi simple que ça, ouais, tu débarques en mode... Déjà si t'es pas blonde avec une certaine forte poitrine, à mon avis tu... Non, il va pas te proposer. C'est pas vrai, non. Non mais apparemment, enfin, ça il avait dit dans une des anciennes vidéos, c'était je crois que c'était la bonne année en 2020. Apparemment, il va faire une enquête dans ma région. Donc, Bah il faut essayer de prendre contact, des fois que... Bah c'est ce que j'ai déjà essayé, parce que quand j'ai entendu ça, je vais laisser un message privé sur Facebook, mais bon, j'attends toujours qu'il me réponde. Ça. Je m'attends pas à avoir de harcèlement de réponse d'ailleurs. Si on veut envoyer quelqu'un, on met Valentin avec une perruque blonde, des ballons à la face des seins, puis on l'envoie. Non, non, comme je vous avais dit, effectivement, Jordan Perrigo, il fait du super boulot, puisque on avait eu l'occasion de... Ah bah si, on dirait la bassine. N'oubliez pas, le jour où on va faire un gérateur merchandising, le jour où on va faire un gérateur merchandising, tu vas l'interviewer. Moi, je ramènerai juste les croissants. Interview sous la douche. Parce que Jordan... Qu'est-ce que ça fait d'être un youtubeur? Il va lui jeter le gel douche à la tronche, ta gueule. C'est clair. Et ben voilà, j'ai perdu. Première défaite ce soir. Alors, c'est ta deuxième de la saison. Ouais. Aïe, de mauvais augure. En espérant que devant ça ait perdu, parce que sinon tu vas perdre du champ sur les premiers. Aïe. Oh putain, puis perdre à domicile quoi. Ça arrive. Ouais, mais en fait, le problème c'est qu'on méritait pas mieux que le match nul ou que la défaite en fait. Tout simplement. Toi, je vais vous raconter quelque chose de. Non, je vous le raconterai en. Que là c'est très personnel et je pense que ça a pas ça sur le non, live. C'est, oui, je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre ouais, à la question. Ouais. Mais ce que j'ai regardé c'est avant-hier, je me suis fait une soirée complète. D'ailleurs je l'ai fait juste après ton live, j'ai regardé des épisodes de Ghost Adventure, tu connais? Oui. J'ai regardé ça. Ah, je peux te dire c'était bien flippant aussi. Après Ghost Adventure, j'ai l'impression que parfois c'est un peu surjoué, mais... Oui. Alors que perso, les enquêtes Jordan Perrigo, franchement, t'as aucun trucage, quoi. C'est ça. En fait, comme je l'avais déjà dit à plusieurs lives, nous on l'avait rencontré, on avait été jusqu'à Nantes pour le rencontrer, dans le cadre de notre web documentaire sur le paranormal, qui s'appelle Paranormal Économie. Et effectivement, c'est pas du... Vous avez expliqué un petit peu la face cachée de ces enquêtes et c'est vraiment pas du flan quoi. Ah mais ça se voit, hein, puis il est authentique. Voilà. Ce que je kiffe, c'est quand il utilise les baguettes de sourcils. C'est kiffant quand même. Les baguettes, le truc c'est que c'est un peu aléatoire, j'ai l'impression. C'est. Voilà, comment dire, merci à vous pour votre disponibilité. Il suffit qu'il les tienne mal ou quoi, et ça part un peu comme il a envie que ça arrive, quoi. C'est ça. Donc c'est. Après, c'est vrai que le mieux, ça reste la caméra SLS. Ah ouais, quand tu vois les silhouettes là, c'est ouf. Puis dès que tu vois une main qui arrive, t'as du. Mais ce mec aime bien jouer à se faire peur hein, quand même. Ah oui, qui a déjà regardé les films Paranormal Activity? Moi. Pas moi. Ouais. Angel, est-ce qu'on en fait un? Est-ce qu'on joue Light Joker? Je me demande si on en fait pas un petit dernier. Allez vas-y, c'est parti, on est bien parti. Pour pas rester sur une défaite quoi. Paranormal Activity, quand tu le regardes, voilà quoi. Non, tu veux vraiment un film d'horreur paranormal qui fait flipper, tu regardes soit Insidious ou tu regardes Conjuring. Ah, c'est Insidious. Ouais. Ah putain, je l'ai regardé, j'ai pas dormi de la nuit. Il m'a fait flipper, l'enculé. Il m'a fait flipper. Et pourtant, il m'en faut. Hein, pour, mais après, je regarde le film,
Déjà, moi j'ai tendance à regarder les films d'horreur, tu sais, dans le nuit, dans la nuit. Ouais, Vraiment ouais, dans le ouais, truc. Ouais. Et tu vois, je regarde le film, mais tu sais, c'est comme si je sentais une présence. Mais je sais que c'est physique. Puis après, je vais pour m'endormir, mais au moindre bruit, je vais me réveiller. Je te rassure, ma femme ressent la même chose. Au moindre bruit. Tu vas me trouver con, Angel, mais tu sais qu'il y a, quelques semaines, sur Google, j'ai voulu regarder combien ça coûtait à peu près le matériel qu'il a, le Jordan Perigo, tu sais, tout ce qui est K2, Melmeter, etc. Ouais. Bah, franchement, c'est pas aussi cher que ce que je pensais. Ah oui? Genre un K2, c'est 60 euros. Ah ouais? Ouais, j'ai pas du tout regardé, moi. Bah pourquoi, Ludo? Tu veux qu'on t'achète ça pour ton anniversaire? Non, c'est pas, enfin, si je veux me l'acheter, je me l'achète tellement. Ouais, un match sous la pluie. Allez, Angela, hein, pas de soucis, c'est au CERN, normalement, ça devrait être bon. Stade de l'Abbé des Champs. Ah oui, c'est... Ouais, j'ai regardé, c'est vraiment pas cher, Angela. Néanmoins, ça, ça va entre 20, 24, 45. Bon, ça c'est sur Amazon et 30, voilà quoi. Je sais pas si t'as vu l'épisode Angel Rose Fire dans la maison du docteur. Oui, oui, non, mais les derniers épisodes, j'ai tout regardé. La meuf, comme elle a flippé, tu sais. Wow, oui. C'est quoi ça? Grave. De quoi sur Jordan Perigo? Ouais. Oh la vache. T'as mais, pas un bruit mais... À un moment il demande à une personne, enfin il demande le prénom d'une personne qui serait dans les lieux, d'un coup t'entends un énorme boum quoi. L'air de dire laissez-moi tranquille. Combien ces vidéos elles font de vues en moyenne? En moyenne, allez, facile 100, 200 000 à peu près. Ouais, c'est ça, c'est pour des, combien c'est des vidéos. Ah ouais, c'est des enquêtes, tout ça. Allez, en général, c'est entre une heure et demie. Et je crois que l'enquête la plus longue, c'est quand il est retourné au sanatorium. Ouais, celle où il a réussi à filmer une entité, enfin, ce qui semble être une entité, c'est où? Oh putain, ouais. Ouais, bah c'est au sanatorium, justement. Ouais. Et ben, but d'Angel contre la GIA, bien joué, Angel. Et aussi, je me rappellerai toujours, enfin maintenant dans ses vidéos d'intro, quand il dit est-ce que la mort est le début d'une fin en soi, d'un coup tu vois une image ou tu vois une ombre dans un escalier. Ouais, ça c'est pris sur une autre vidéo d'un truc américain. Ouais, quand il dormait la nuit, ouais. C'est un jour, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un pari avec, je sais pas si je vous l'avais raconté. J'ai fait un pari avec deux potes pour dormir dans un cimetière, plus jamais. Ah ouais, c'est aussi flippant que ça? Ah, je me suis mis l'entrée, j'ai été le plus loin possible dans le cimetière. J'ai mis la tente, t'entends des bruits, mais c'est spécial dormir dans un cimetière, c'est très très spécial. Hein. T'as quand même honoré ton pari jusqu'au bout? Oui, oui. Bah déjà oui. Déjà, aller dans un cimetière quand il fait nuit, c'est déjà spécial parce que moi, je l'ai fait. Ouais, moi, je l'ai fait une fois aussi à Lannion. Le mieux, c'est de le faire quand il y a minuit qui approche. Ouais. Mais t'es jamais rentré dans un cimetière, enfin, Angel ou. Cimetière la nuit. Non. Qui moi si oui. J'ai dit que si justement une fois. T'as jamais vu les feux follets? Non. C'est quoi au moins les feux follets? C'est des genres d'esprits lumineux, non? Non. Comme des lucioles. C'est les gaz du corps. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est les gaz du corps. Et quand t'as un corps qui est. Faut pas y aller le lendemain, quoi. Au bout de 4 à 5 semaines. Tu vois des petits faux follets. Et ça fait vachement bizarre quoi.
Vous vous rendez compte qu'on est sur un live FIFA et on parle de feu follet. On parle de feu follet. Cet instant vous est sponsorisé par les pompes funèbres. Par PSG. Voilà. Allez. Allez, Angel, hein, parce qu'ils sont en train d'essayer de te faire tourner en bourrique. La frappe juste au-dessus, Angel. Ils sont en train de te faire tourner un peu en bourrique. Hein. N'est-ce pas? Tout à fait. Et là, encore une erreur d'Angel. Non, c'est les gaz, Atlantis. C'est les gaz de ton corps quand tu te décomposes. Un corps qui pète. Ouais, tu vois, Angel, quand c'est pas nous, c'est les joueurs qui font des blagues. Hein. Oui, mais il détend l'atmosphère, c'est bien. Ouais. Oh, je vois bien, c'est le cimetière, t'as fait un bruit d'un coup de temps. Ouais. Allez, Angel, ne te déconcentre pas, toi, t'as un succès assuré. Le sang. Y a-t-il quelqu'un parmi nous dans cette pièce? Allez, d'un coup, j'imagine, tu sors la spirit box et d'un coup, t'entends un cassoulet. La jolie. Puis t'entends le fantôme qui fait il était bon cassoulet aujourd'hui hein. Coulant. Arrêtez, il y a Angel, il est complètement, ça y est, il s'est mis en pause, il peut plus Angel. Putain mais vous êtes trop con hein. Ah là là, faut arrêter les conneries. On l'a pris en traite là, il est en train de boire en plus. C'était bon cassoulet. Par contre un truc que je préfère c'est le sens des gens. Ouais, ça aussi c'est impressionnant. Après qu'on nous dit, tu sais jamais sur quel esprit tu peux tomber. C'est comme ceux qui appellent les défunts quoi. T'es pas sûr que ce soit vraiment le défunt que tu veux parler. C'est ça. Ouais. Tu peux très bien tomber sur une entité qui va te faire croire que c'est la personne avec qui tu veux parler, mais en fait c'est un esprit malin. Ouais. Là c'est pour ça que je le ferai jamais quoi. Mais c'est les vacances demain. Pas pour moi. Pour la zone. Tiens, dans ma région, les enfants, ils ont encore école la semaine prochaine. Donc toi, t'es en zone A. C'est la zone B qui est en vacances. Ouais. Donc, Draken sera en vacances la prochaine. Ouais. Non, il est en vacances. Le nombre de casques qui rate quand même. Hein? Là, Draken, le nombre de casques qui rate. Bah il est en vacances demain. Bah oui, merci Yannis pour le coup. Merci à toi. Mais qui est en vacances demain? Draken est en vacances demain. Il a dit la semaine prochaine, c'est pas de live. Bah oui, on est en... C'est la zone B qui part en vacances dès demain. Grenoble, vous, c'est quand d'ailleurs? C'est la semaine prochaine. Ils sont en zone A, Grenoble. C'est ça. C'est pas la zone des relégables, mais... Je vais plus en cours depuis 99 et je sais encore les zones. C'est bien. Encore pour nous, ça a changé parce que nous, il y a encore de ça quelques années, on est en zone A. Oui, ils ont, avec le redécoupage des régions. Voilà, le changement de région, etc. Et devinez qu'il y a une chaîne Twitch. J'ai vu ça ce matin. Cap Kinder Bingui. Non, Jojo Bernard. T'es sérieux? Jojo Bernard a une chaîne Twitch. Et pendant ce temps-là, ce que je viens de dire, Angel s'en fout complètement. Non mais je sais pas de qui tu parles. Je sais. Tu sais pas c'est qui Jojo Bernard? Bah non, désolé.
qui explique? Parce que moi non plus, je sais pas, donc c'est pas moi qui lui expliquerai. On va pas expliquer, on regardera sur YouTube au pire. Voilà. C'est un mec un peu foufou. Ah, parce qu'il est aussi sur YouTube. Ouais, ouais. Oui. C'est un ch'ti du Nord. Un Sully, ça. Ah, ok. Oui, mais en moins con, peut-être. Oula. Hein? Non. Je déconne. Mais toi, Valentin, tu te cherches à te faire taper ce soir, c'est pas possible. Si tu savais le nombre de gens qui aimeraient bien me frapper. Ouais, mais comme tu cours très vite. Ah non, non. Avec mon tas de gras, je cours pas très vite. Hein. Ton tas de gras, t'es pas non plus. Tu pèses pas une tonne, hein, non plus. Hein. Enfin, il fut un temps où j'étais beaucoup plus svelte. Hein. Avant, j'étais svelte. Mais ça, évidemment. C'était avant. Sacré. Tu veux dire un mec combien les deux? 1m73. D'accord, et pour combien de kilos? 73 kilos. Oh, ça va. Et encore, j'ai pris du poids du fait que je travaillais pas pendant un mois, vu que j'étais en congé, évidemment. Mais là, vu que j'ai reprendre le boulot, je pense que je vais. Les 2-3 kilos que j'ai pris, je pense que je vais les refaire rapidement. En général, je tombe toujours entre 65 et 70 kilos. Si je te disais combien je pèse, bon, tu serais vert. Bah, dis voir. Je pèse 50 kilos. Non, mais merde. T'es sérieux? Je te jure que je pèse 50, je pèse 50 kilos. Je pèse 50 kilos depuis que j'ai 17 ans. Non, mais t'en as perdu combien entre-temps? Aucun. Puisque depuis l'âge de 17 ans, je pèse 50 kilos. Waouh. Et t'as pas pris un pet de gras? Non, j'ai pas un pet de gras. Pour combien? En taille? Oh, je sais. Je sais plus. Il faut que je me mesure. Mais non. Il va prendre une règle. Ouais. Bah oui. Il va prendre un mètre. Mesure-moi, s'il te plaît. Je sais, je suis maigre. Je sais. Et dis-moi, Angèle, y a pas des endroits un peu hantés, non, par chez toi? Si, certainement, mais après, où ça Oh, Angèle. Si, les gars, bon, parce que... Là, une montagne le Mont-Saint-Michel, qui est juste à côté... c'est hanté? Oui, non, alors attends. Il y avait un hôtel là qui est surplombé la vallée, qui était à Saint-Nizier-du-Moucherotte, qui est une montagne qui est juste à côté de chez moi. Et du coup l'hôtel ils l'ont rasé parce que ben voilà, mais c'était un hôtel pour les riches à l'époque. Il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs qui montre l'hôtel à l'époque, comment il était avec les gens et tout ça dedans. Il est resté longtemps en ruine, un peu, ça faisait un peu une zone d'urbex, hein, qui était libre à tout le monde, mais pas impossible qu'il y ait des esprits là-bas dedans, parce que je pense que l'histoire dit qu'il y a pas mal de gens qui sont venus à cet hôtel là et comme il était il surplombait une falaise, il y a des gens qui se sont jetés. Ah ouais, quand même. Ah oui, le truc quand même bien gore, quoi. Dis-moi Angèle, t'as eu une coupure de live ou pas? Non, quoi? Ah, parce que je viens de recevoir une notification comme quoi tu venais de lancer un live. Ah, c'est bon ça. Ah non, donc, t'es sûr ton portable était bien connecté à internet au tout début du live? Je suis pas sur portable, je suis sur PC. Oui, mais t'es bien sûr que ton PC était bien connecté à internet au départ du live? Oui, puisque je regarde le live sur le PC. Bizarre, parce que okay. moi sur mon téléphone portable j'ai pas la deuxième notif, parce que moi je regarde pas sur téléphone portable, mais je oh merde. Ah non, mais je fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, Angel? Tu viens de te faire égaliser pas deux fois quand même. Pas comme ça, Angel, pas presque tout que tu as fait.
Puis c'est pas très bon pour préparer le match de coupe, hein. C'est calme d'un seul coup. Bah on a plus grand chose à se dire, quoi. Oh la tristesse. Bah c'est à dire qu'on a épuisé les sujets, on a parlé d'Ousmane Dembélé. Théo il voulait parler des prochains matchs avec des champions, mais au final on n'a pas parlé. Allez on gagne, allez. Ah merde. Alors à votre avis, est-ce qu'Angel est meilleur au foot qu'à F1? Je pose la question. La question se pose. Je croyais que t'allais sortir autre chose, Valentin. Non. Je savais très bien ce que je voulais sortir, mais bon. C'est pas grave, t'es excusé. Quelques secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, Angel, on va terminer par un match nul, hein. Aïe. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est Pilate, pas grave. Et Pilate, Pilate a encaissé 5 buts d'un coup, là. T'as monté la difficulté? Non, j'ai pas touché. C'est, je commence à fatiguer, en fait. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Mais tu viens de perdre des points très importants. Un point pris sur les deux derniers matchs. Merci du réconfort, Val. Ça te ferait donc 7 victoires, c'est ça, 3 nuls et 2 défaites, je crois, c'est ça. Ouais. Et pour l'instant, t'as fait quand même un bon plein de points pour l'instant, si on est quand oui, même bah, honnête. On a fait pas mal de victoires avec des points, et c'est bien ça. Et surtout avec des gros scores. Bah sur 5 matchs, il aura pris 10 points. Merci, c'est gentil de nous avoir répondu. 10 sur 15, c'est pas mal. Oui, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Alors que t'aurais pu le gagner celui-là, Angel. Tu menais 2 buts à 0, mais tu l'as lâché à la fin. Et là, ce sera un tour de Coupe de la Ligue contre Lille. Et là, tu vas faire tourner. Alors, Piquel qui demande de jouer plus souvent. Je compte sur toi dans les moments importants. Ça va lui faire plaisir. C'est ça. Et Bennett, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté. Vous m'avez donné du temps de jeu. Tant que je suis en forme. C'est ça. Bon, là, il va falloir faire tourner. Mais je pense qu'Angel, peut-être voudrais-tu arrêter pour peut-être commencer ce match au prochain live. Oui, on va faire ça. On va arrêter là pour ce soir. En tout cas, merci aux personnes qui sont venues voir le live et qui ont follow la chaîne ce soir. Et puis, ben, pour les prochains lives, on se retrouvera normalement. Alors, demain soir, je vous promets rien, mais samedi soir, il y aura un live avec Draken normalement sur GTA. On va faire des braquages. Et puis après, pour la F1, ça sera dimanche. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et à très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et bonne Saint-Valentin.